Info. Info. Hé. Faux. Voilà. Du patron. Bon, il me faut ça. Quoi. Hein? T'as pas un bœuf au sac, moi? Ah, y'a tout m'teur. Tout m'teur, ou tout m'teur? Ou tout m'teur? Ah, y'a pas d'un tout m'teur. Ou tout m'teur? Y'a tout m'teur. Ou tout m'teur? Y'a non! Tout m'teur qui te dit ce qu'on a. Patron. Paka! Tout m'teur, rarfin, rarfin, tout m'teur. Voilà, moi. Hein? Patron, c'est-à-dire. C'est-à-dire, bon. C'est-à-dire, bon. Darfan, darfan. Ne va pas me faire. Faut pas avoir de cas. Tu crois qu'on a pas su bon. Faut pas avoir de cas. Tu crois qu'on a pas su bon. Y a non. Un bébé qui a fait un jour, moi, quatre, là, quatre fois. M'en pas en lui. Hein? Patron. Y a pas l'autre. C'est-à-dire. Hey. Faut. Allez. Regarde ça, caca. Patron. Hey, l'autre. Patron, mais tu n'as pas. Mais tiens, nous sommes l'eau, tiens l'eau. On n'est pas tiens faux carré. Où on est? J'ai mis une fausse entente par mon jour. Ou à quatre, ou à quatre fois. Tiens, mais. Tiens, mais là-bas, si. Allons pas dans ton. Patron Konga, mais moi, je suis sûr. Il y a la photo de l'eau. Hey! Tu n'as pas l'eau, mais tu n'as pas l'eau. Aïe, là, je suis sûr. Tiens l'eau. Hey! Mbor kama tu ba. Aye. Do. Patron. Mam ni fo saru. Oui, mon boss. Ça va? Oui, ça va, chez vous. T'as la place, hein? Non, c'est toi, te dérange pas. Ah, bon. Mais vous avez la mine serrée, là. Qu'est-ce qui ne va pas? Petit, rien ne va. Comment ça? J'ai été remercié au boulot. Non, vraiment, moi, je suis content. Vous avez été remercié. C'est que vous-même, vous avez bien travaillé au boulot là-bas. Hein? Donc, on va vous décorer. Toi là, tu vas jamais changer quoi. Au nom de Dieu, tu es trop bête. Aïe. J'ai été licencié, tout m'kabé. Zinka, trop travaillé. Là. C'est compliqué. Malgré toutes vos compétences et vos preuves que vous avez montrées au boulot là, ils vous ont licencié. Je te dis, les salauds en plus. Ils sont sans cœur, hein. Mais si vous n'avez plus de boulot, comment vous allez faire pour gérer la petite Prisca? Parce que moi, je vous ai dit, quand je la draguais pour vous là, que c'est une fille qui aime beaucoup d'argent. Elle ne connaît pas ce que veut dire l'amour. Imagine-toi, j'ai dû vendre ma moto pour subvenir à ses petits besoins. Mais ça, c'est petit.
Parce que moi, je trouve que l'agent de la moto, là, ça peut rien faire. Donc, c'est mieux de chercher solution pendant qu'il est temps. Toutefois, je t'écoute. Si tu as des solutions pour moi, je t'écoute. Sinon, franchement, rien ne va. Une solution? Une solution, c'est un autre travail. Mais moi-même, j'ai des diplômes en gestion du marketing, mais je n'ai pas de travail. Je ne travaille pas. Parce que dans ce pays-là, pour avoir du boulot, il faut te lever vraiment tôt. Et puis, il faut connaître des gens. Mais j'ai peut-être une solution. Bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Je peux solliciter l'eau. D'accord. Merci. Je peux? Oui, allez-y. D'accord. Merci bien. J'avais besoin d'eau, hein. Ah bon? Oh, vraiment. Voilà. Excusez-moi. Oui. Qui a pu se permettre de laisser seule une belle créature comme vous se balader? Je suis pas mariée. Ne me dites pas ça. Ah oui, sinon figurez-vous que moi-même je suis pas mariée. Ah bon? Oui. Ah, mais je vous trouve très ravissante. Oh, merci. Et puis je vous ai remarqué depuis un bon bout de temps. Oui. Vous avez l'air perdu dans vos pensées et tout. Hein? Un souci? Non, il n'y a pas de souci. C'est sûr? Oui, c'est sûr. Sinon, moi, je fais le sport chaque matin. D'accord. Voilà, parce que le sport, comme on lui dit, le sport. Ça fait du bien. Exactement. C'est la santé, quoi. Madame? Oui. L'eau? Ah, vous pouvez la garder. C'est vrai? Oui. Vous êtes sérieuse? Oui. Ah, merci. D'accord. Oh là là, joli sourire en plus, hein. S'il vous plaît, je vais demander votre contact. Et puis, vous inviter à prendre un pot. D'accord. Voilà. Alors, bonjour! Lydie! Louise, comment vas-tu? Oui, ça va. D'accord. Et chez toi? Oui, ça va. Tu as l'air heureux ce matin, hein? Raconte-moi. J'ai rencontré un jeune. D'accord. Grand. Ouh. Élégant. Ouh. Et sportif. Et tu l'as rencontré où? Au terrain de sport. Allah, tout est gâté. La suite, c'est quoi? Oh, mais le problème... Quoi? Le problème est qu'il est moins âgé que moi. Louise, toute relation qui commence sur un terrain de sport finit toujours sur un terrain de sport. Dis-moi, est-ce que tu as pris le temps de mieux le connaître? Toi, tu es toujours comme ça. Eh oui, je suis toujours comme ça. Tu sais que moi, les hommes, ce n'est pas mon problème. Et pour mon plaisir, tu sais ce que je fais. Mais à toi, je te dis de faire très attention. Ok? Prends ton temps et fais tout pour bien le connaître avant de t'engager. Ok? Tu sais que je ne veux que tu tombes bien. Je le fais bien. Ma Louise. Ok, donc on y va, démarre. Non,
Mais tu me connais. Mais tu me payes pas. Je vais te payer, je te jure. Je te jure dans 2 jours. C'est une urgence. J'ai une soirée très très importante, s'il te plaît. Fonny Wendy. Dans 2 jours, Mamni Wendy. Mansoubri. Mansoubri, pardon, s'il te plaît, Rikma. Toi-même, tu sais, tu me connais, non? Non, mais tu sais que non. L'amitié, c'est pas une prise en charge. C'est pas une prise en charge. Tiens, tellement. Non, non, non. Je vais te rembourser. Je vais te payer ton argent. Rembourser à Rioré. Dans 2 jours. Je te jure, je te promets. Non, mais comment on est? On est dans 2 jours là. Bon. Ah. Bon, c'est quel souci tu veux? Tiens, on est bon, on est. Allez, allez, ça va. Allez, ça va, allez, ça va. Je vais te payer. Ah oui. Tu me fais la facture dans 2 jours. Quelle facture? Faut que tu n'as rien, tu parles de facture. Faut que tu n'as pas de facture, voilà. Bon, c'est laquelle tu veux? Je le sais. Elle est bien, elle y va bien avec cette chemise. Ah, en plus de ça, tu veux un habit encore? Oui. Un pantalon, si possible. Non, ensemble, s'il te plaît. Plus ça, plus le jean, là, je te promets. 2 jours. S'il te plaît, il faut que je me mette bien, que je sois bien tiré, s'il te plaît. Toi, tu n'as rien, tu veux. J'aurai de l'argent. J'aurai de l'argent. Non. N'ayo poé, Mdoa. Mon souris. 2 jours. 48 heures. M'amène. Mon souris. Si jamais tu ne payes pas. Si jamais tu ne payes pas. Ah, on a même un bon gars. Comme ça, il n'y a pas de problème. Je vais te payer. C'est bon. Voilà, donc j'ai dit, voilà, donc c'est ça. Cette chemise, elle est bien. Et puis ce jean là. Tu vois, non? Voilà, toi tu es mon gars. Quel gars? Pas moi le gars, ouais. Bah après là, je vais te payer la bière. Quelle bière, maman? Je vais te donner ton argent, je vais te payer la bière. Je vais te. Dites-moi. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes si pressé. J'allais en venir. Je suis un diplômé en mécanique, en chômage. Bon, chômage technique, quoi. Par la grâce de Dieu, ça va aller. Inch'Allah. Avec moi ici. Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes là? Qu'est-ce que moi je t'avais dit l'autre jour dans la voiture quand tu m'as parlé de lui? Tu penses qu'en ce moment tu as besoin d'un homme dans ta vie? Ma chérie, je suis en train de vieillir moi. Donc il faut que je me case. Vieillir mon œil, oui. Et sans te casant, tu vas rajeunir. Te surcroît avec un venu-pied comme celui-là. Ouvre les yeux pendant qu'il est temps. Tu vois ces jeunes-là? Ils sont là à se promener sur les lieux de sport ou je ne sais où là. C'est pour cibler les femmes plus âgées qu'eux et rentrer dans leur vie, sucer leur sang et ensuite disparaître. C'est ce que tu veux? En tout cas, je t'aurais prévenu. Les jours que ça va barder. S'il te plaît, copine, ne me cherche pas. De toutes les façons, je ne veux que ton bien. Mais si toi-même, tu ne t'inquiètes pas pour toi-même, je suis désolée, moi, je ne peux rien faire. Je ne peux que te souhaiter tout le bonheur du monde. En tout cas, si tu te sens bien avec lui. Bah, je termine mon nom. Moi, je vais rentrer chez moi. Ok. Ah. Merci pour la visite. Ok. Thank you.
frère qui dans nos intérêts ça va être bien. Merci. Non Poco. Non Poco. Comment vas-tu petit? Allez, viens. Ne t'assois pas. Viens, je te montre notre chambre, s'il te plaît. Viens. Ah bon? Oui, viens. Attends. Ah, vous laissez ça. Bon, ouais, donc, hey, le thé là, je vais vous donner un peu d'argent. Voilà, vous allez mettre. Pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. C'est mon coro. Bon, je vois mon coro. Alors, ma copine. Oui. Où en es-tu avec ton gigolo? Arrête. Je ne te permets pas de parler ainsi de mon mari. Même si c'est moi qui le nourris. Oui, Koro. Tu sais, tu es mon bon petit, mais je ne te comprends pas. Depuis la dernière fois que tu m'as appelé là, tu n'as plus donné de suite. Aïe. Je ne te comprends pas. Tu sais, moi, je suis un homme d'affaires. Time is money. Ou bien? Oui, je vous comprends, Koro, mais il faut me comprendre. Moi, j'ai donné rendez-vous à la fille, je suis sur le coup. C'est quelque chose, même. C'est ça, même, c'est rien. Je vais gérer ça. Mais je ne te reconnais pas. Ça, tu règles ça d'habitude en un clin d'œil. Pourquoi cette fois-ci, ça traîne autant? Bon, ça traîne. Mm-hmm. Parce que même la fille, là, même en question, pour la voir, là, c'est tout un problème. Ça, ça ne me regarde pas. Je ne rentre pas dans ces détails-là. Hein. Je veux juste un travail bien fait comme d'habitude. OK? Non, si c'est donc, ça. Donc, sur ça, je compte sur toi vraiment. Non, il faut compter. Il faut compter même. Ça a trop duré, là. Non, je gère ça. Je sais, je veux faire ça comme d'habitude. Voilà, non, donc je compte ça. Sur toi. Je vais filer même là-bas ça. Comme ça. Voilà. Voilà. Et... Quoi ça? Je vais non, tu termines et puis tu viens. Comment un peu? Oui, allô? Oui. Oh. Bah, tu sais, ma copine, je suis venue te rendre visite. Et je veux profiter de dire une petite vérité. Tu penses que cet homme-là t'aime? Il t'aime pas. Et ce genre d'hommes-là, ils sont comme ça. Ils ont beaucoup de femmes qui les entretiennent. Et toi, ma copine, comme toi, tu veux un mari désespérément, avec tous ces hommes riches qui tournent autour de toi, c'est lui-là que tu as vu. Tu me déçois. Arrête. Tu es venue me rendre visite. N'abuse pas. Oh. Ok. Je n'en dirai pas plus. Je suis venue te rendre visite. J'ai fini de dire ma vérité. Et comme on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas, moi je rentre chez moi. Je n'avais pas besoin d'être réveillée. Ok, désolée. Et néanmoins, combien c'est de toi, ma copine? Bonjour. Le clé là non? Oui, oui. Bon, il vient de se lever quoi, sinon il était là. Ah d'accord. Prenez place. Non, non, merci, c'est bon. Après. S'il te plaît, attends. C'est comment? Ça va? Ça va. Tu vas bien? C'est toi qui cherches Frankie là. Il y a un problème. Non, je te dis que Franky là, c'est pas un mec bien. Uh-huh. Hein? Tu sais ce que Franky fait derrière toi là? Non, Dieu seul sait. Est-ce que toi, tu sais que Franky soit avec ta copine Amina? Mais ça te regarde. Hey. C'est sa vie ou c'est ta vie? C'est parce que je veux ton bien que je te dis là. Hein? Tu vois, non, depuis un certain temps, moi je t'ai cherché seulement. Hein? Occasion pour te dire là. Parce que tu vois, moi, tu me plais tout. Voilà. Est-ce que tu vois? Je voulais voir si on pouvait échanger nos numéros afin de sortir ensemble. Quoi. Mon frère, oui.
Rien. Faut qu'on se respecte. Oui, non, je te respecte. Quand tu pars dans une boutique pour acheter des vêtements ou bien des chaussures, là, tu prends le temps de vérifier ta marque, non? Oui. Ce que tu peux acheter, non? Oui. Mais quand tu me regardes, là, est-ce moi, comme ça, là, tu peux avoir mon numéro? Oui, pourquoi pas? Hey! Ah, joli, moi, j'ai joli garçon aussi. Regarde, va chercher ta pointure ailleurs. C'est clair, non? C'est clair? Non, laisse ça, c'est je pas te la dis bagarre, ça, arrêtez de gringaler comme ça là. Est-ce que toi tu peux avoir mon numéro? Elle a dit qu'elle va revenir après. Pardon, ça me. Elle a dit ça. Mon mec, elle est belle. Tranquille, même, c'est pas un mec bien. Mais c'est notre corps, c'est notre corps. Non. Non, Poco. Et voilà, Poman.
Regarde tout ce que tu portes. Regarde comment j'ai joué avec toi. Hein? Regarde comment tu es belle. Tout ça, c'est grâce au boss. Hein? Non, faut t'asseoir. Je sais que tu t'amuses. Hé, hey, le boss. Ah. Tu sais, je t'ai toujours dit quand on frappe à la porte que tu sais pas c'est qui là. Tu te calmes. C'est les enfants de quartier qui ont l'habitude de venir déranger. Et puis affaire de galère là aussi, c'est pas facile quoi. Ça rend souvent aigri quoi. Hein? Bref, je suis là pour le dossier. J'ai attendu ton retour en vain. Dossier. Oui, Prisca. La même là. Ah, vraiment, le boss. Je ne sais pas ce que vous avez fait à la fille là. Je suis allé pour la voir. Mm-hmm. Elle ne m'a même pas laissé placer un tout petit mot. Elle m'a jeté comme ça, à coups de pied dehors. Ne me dis pas ça. Attends, tu es sérieux là? Uh-huh. Tu l'as fait quoi? Et puis. Elle me traite de petit diable. Tu es sérieux une fois de plus? En plus de t'avoir jeté à coups de pied, elle te traite de petit diable. Mais tu sais, mon bon petit, tu ne devrais pas te plaindre. Ça fait partie des risques du métier. Et puis vous moquez de moi. Frère, ma miabla. Mais ce qui est sûr, c'est ma traite de petit diable. C'est que c'est vous le grand diable. Tu sais, si elle t'a traité de petit diable, c'est que tu es le petit diable et tu restes le petit diable, ok? Ne viens pas chercher de grand diable dans cette histoire-là, ok? Oui, j'ai compris. Voilà, faut pas m'énerver. Excusez-moi. Quand j'y pense... Dites-moi, vous êtes sûr que la petite villageoise là n'est pas allée dire quelque chose là-bas? Effectivement, quand j'y pense, ça ne peut qu'être cette villageoise là. Mais je vais trouver des solutions. Vous avez confiance, non? J'ai confiance. En tout cas, je compte sur toi pour gérer ce dossier là. En attendant, oui? Que tu règles le dossier. Tu sais ce que je veux que tu fasses. Tu me trouves une... Tu vois, non? Une bonne petite. Comme je les aime. Tu vois un peu? Oui. Pour que je puisse continuer mon championnat, même si presque on ne joue plus. Oui. Non, ça c'est normal. Et puis, il faut qu'on termine même le championnat. Hein? La victoire même doit être assurée. Mon bon petit. En parlant de ça, j'ai une petite même dans le quartier là. Elle est très bonne là. Même critère comme ça que vous aimez. Je suis. Je vous gère ça. Le même critère que j'aime. Je gère ça. Pas de souci. Voilà. Mais un souci, hein. Il n'y a pas d'argent. Oh, décidément. Bon, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Un instant. Bon, tiens. Tu prends ça. Tu rafraîchis ta mémoire afin de mieux traiter le sujet. Ok. De toute façon, moi, je me sauve. Lui, j'irai. Et puis, quand j'y pense, je songe à mettre un climat. Après, tu es mon bon petit. Il fait très chaud chez toi.
Prends-y, ok? Aïe, aïe, ce petit sou-là. Quand je traite à faire, c'est 2000, c'est 5000. Et tu veux que je mette clim? Avec quoi je veux mettre clim? Regarde la maison. Et puis, j'ai une bonne petite aussi que je dois faire vivre le luxe. Et tu veux que je gère tes affaires? Tu es là. Pas vite, j'ai pas ton temps. Prends place. Hey, je n'ai même pas ton temps. Aïe. Moi, je sens déjà que toi et moi, on va pas s'entendre. Hein. Puisque de la manière dont tu me parles déjà là, moi, je suis pas content. Hein. Va droit au but. Je t'appelle pour une grosse affaire et c'est comme ça que tu te comportes. Tu sais que je plaisante. Ah, voilà, tu parles bien maintenant. Ah, non. Ok. Je t'écoute. Et l'affaire, c'est trop simple. Mm-hmm. Tu connais mon boss là, non? Oui. Mon bon Corolla. Oui, oui. Voilà, le... tu vois, non? Voilà, et il a flashé sur toi. Et donc, il m'a envoyé vers toi pour régler les choses, quoi. Toi-même, tu sais que si c'est dans ça, là, moi, je suis dit. Ah, bon, hein? Non! Ah, voilà. Mel, il y a quelque chose qui est là. 50-50. Il t'a donné 10 000. J'ai 5 000. Chut. Il te donne 20 000. J'ai 10 000. 50 ou bien, c'est à prendre ou à laisser. Attends, c'est ton derrière, ils vont aller ouvrir là-bas. Aïe! Je sais que c'est ton derrière, mais n'oublie pas que c'est moi qui ai envoyé l'affaire. Hein? Et en plus, c'est mon bon coro. C'est moi je traite tous ces dossiers, tu vois, non? C'est Mousseau même, c'est moi je traite ça. Hein? Donc, 50, à prendre ou à laisser. Actuellement, là, ce que moi je peux te proposer là, c'est 15%. Oh non, 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 non. 15%, ça ne m'arrange pas. Donc, on va faire quelque chose. Je te fais ça 30. 30. Ouais. 30, c'est à prendre ou à laisser. Oui. 30%. D'accord, ça me va. 30%. Regarde, moi j'aime quand tu parles comme ça. Tu vois, non? Ok, donc, bon. Comme c'est conclu. Je vais t'appeler. Allô, allô. Allô, allô. Hé, s'il te plaît, reviens. Il y a quoi encore? Voilà. Tu sais que mon bébé là, mon cœur là, c'est ta copine. Ta meilleure copine même, hein, si on peut voir. N'est-ce pas? Donc, je veux pas qu'elle entende quelque chose. Notre affaire, c'est entre toi et moi. Rien d'autre. Affaire là, toi et moi. Personne d'autre. Ah, voilà. Hé, hey, Gabi! Ne me salue pas. Je t'appelle aussi pour te mettre dans un bon coup. Tu es là en train de faire le malin. Ah, mais comme ça fait d'argent, on s'en fout. Chérie, bon, on va aller se reposer. Ah, chérie. À chaque fois, là, ça allait se reposer. Matin, midi, soir, sous le soleil même. Mais si c'est pour me satisfaire, là, ça, tu peux pas. Ce que je veux même, là, tu me donnes pas. Ah, toi aussi. Tu sais, ce dont je parle est très important. Mais dis-moi ce que tu veux. Chérie, je veux scooter. Scooter, ouais. Scooter. Les gars, je te dis pas. Ton petit là. Quel petit? Ton bon petit là. Il a fait quoi? Il a promis une voiture à sa go. Tu sais, je ne peux pas croire à ça. Tu dois te tromper de personne. Ça peut pas être mon bon petit là. Si. Non, d'accord. Bon, ce qu'on va faire, attendons de voir. Ah, en tout cas. Sinon, la scooter, tu as choisi le modèle, la couleur et tout. Tout, j'ai déjà tout fait. C'est toi, j'attends seulement. Donc, je te gère ça la semaine prochaine. Ah, est-ce que quand on part pour se reposer, là, moi, je te dis laisse la semaine prochaine. Ligdaya, ne repoya, ka yemre. Bon, tu n'as pas la table. Hein? Mami, tu sais maintenant, yewaya. C'est 7 jours. Rahayira, ma yétan, quand on part, 7 jours à pouvoir. Mami, il faut. Ah, tu as intérêt. Tu vois, non?
Tu vois ce joli corps-là, tu as intérêt. Fais voir. Tu vois, ah ben oui. Sinon, c'est pas mal, mais tu sais, comme je te l'ai dit là, une semaine, je te gère ça. D'accord. C'est bon. Tu sais, allons nous retrouver. Ok. J'aime ça. Allons-y. Ta tenue de bain, merveille. Merci. Ouais, c'est propre. Bref. Bébé, j'ai besoin d'argent. Combien? Bon, disons 1 million comme ça. Mais c'est pour faire quoi? Bébé, toi aussi. Dis-moi, est-ce que si je travaillais, tu allais me poser cette question? Bref, c'est ton argent. Tu fais comme tu veux. Et bonne route d'ailleurs. Je voulais juste savoir ce que... Bon, bref, c'est pas grave. Je vais te donner 1 million 500. Tu as dit quoi? 1 million 500. C'est vrai? Oui. Oh là là. Merci bébé, tu es la meilleure. Allez, viens là. Merci. Ah chérie, depuis que je t'ai demandé la moto là, on te voit même plus en circulation. Chérie, tu sais, ça, le travail puis les embouteillages. Oui. Tu vois, c'est pas simple. Ah, il faut gérer, mais il te reste que quelques jours. T'inquiète, on va gérer. Espérons. Tu me fais pas la bise aujourd'hui. Même pas de câlin. Tu aimes trop ça, chérie. Voilà. Merci, chérie. Sinon, on dit quoi? Je suis là où est chez toi. Ça va. Sauf que tu m'as manqué. Tu m'as tellement manqué aussi. Mais j'attends ma moto là. Hein. Non, laisse, on va gérer après. On se repose, non? Non. Tant que la moto ne vient pas là, on se repose plus. C'est fini comme ça. Il te reste plus quelques jours, et donc faut s'y lancer vite, vite. Non, t'inquiète. Mon bon petit va gérer ça. Je vais le laisser là, elle va gérer, t'inquiète. Ah, j'espère. Hein. Allez. Oui. Maïwane. Si je te vois ici encore. Non mais ça tu es con quoi. J'arrête mon moto de pierre et puis c'est bizarre. C'est quoi ça? Il y en a même. Faut t'en dire que bien là. Hé, Nawayam là. Dina Gehru, Imanire. Come on, man. Bring a man. You don't want to wait to me, Chile. You don't want to wait to me. I don't want to wait to me. Can you do that? I don't want to wait to me. I'm going to go to the house. Même problème, ya. I'm going to go to the house.
C'est juste pour payer des préservatifs. Ok, 5 minutes, oui. J'en reviens. Tu n'as pas quelques pièces pour moi? Genre 200 francs. Regarde dans mon sac, tu as trouvé quelques pièces dedans. Ok, super. 5 minutes. 5 minutes, pas plus 7. Que fâche pas. Ok. Mon argent. J'allais passer chez toi ce soir, mais je m'en donne 2 jours. Oui, c'est vrai que j'ai laissé passer le temps, mais mon frère, c'était chaud. Cinq minutes et depuis là, je le vois pas. Non, l'argent. Non, je te gère ça ce soir. Non. Regarde comment je suis habillé. Je viens juste de la maison. Non, mais Somme, ne fais pas ça avec moi. Ne joue pas ce jeu avec moi, d'accord? Faut y aller rentrer à Maï. Mais quand même. C'est cool, Somme. Calme-toi. Je vais te gérer. Merci, mon pourri. Ah bah. Tu as. Non, attends. Je n'ai rien. Non, y a. Attends. Envoie. Ouais, ouais, ouais. Regarde toi même. Regarde. Non. Laisse-moi aller me préparer. Je vais m'habiller. Je me lave. Je m'habille. Et puis je prends ton dièse. Je vais te donner. Néo, un lampe t'as faut voir. Faut ça quand même que tu es court. Fais-le faut. Sirvi. Néo, un ne. Ah. Voilà. Comment nous autonome. Ok, je l'ai dit. Y a pas de problème. Va chez toi. Je vais chercher ton argent et puis je viens. Je te rejoins. N'oublie pas. Je vais pas oublier. Mon argent. C'est compris. Rikma. Non, vas-y. Vraiment, si c'est pas parce que moi je l'aime, mais moi me lui donner mes 200 pour payer même des tu pour venir moi me monter. Ah! Dame, je rentre chez moi. Camille, bébé. Mais elle est où?
Hey, Gabi, c'est toi que je parle. Tu viens, tu me vois comme ça, tu viens, tu joues, et puis tu pars. Aïe! C'est devenu comme ça. Bon, voilà. Et je suis là concernant, tu vois, non? C'est que le boss t'a donné là. Il faut me donner pour moi. T'en vaut rien de boss là. Quoi, hein? Ce faux type là. Quand tu regardes mon visage là-haut, je ressemble à quelqu'un qui est en train de te baratiner. Prochainement, si tu veux me brancher avec quelqu'un là, tu l'étudies. Tu regardes s'il a les vrais biais. Je suis pas là pour m'amuser, moi. C'est l'argent ou rien. Mais... Attends. T'es charabia là, moi je comprends rien dans tout ça. Hein. Mais c'est parce que je suis sûr qu'il allait te donner quelque chose. Il a l'argent. C'est pourquoi je t'ai branché avec lui. Mais il t'a menti. C'est un faux type. Qui n'a rien dans sa poche. Donc tu veux dire que depuis tout ce temps-là, il t'a rien donné? Absolument rien. Des promesses par-ci, des promesses par-là, des... D'ailleurs, même, je n'ai pas le temps à perdre avec toi. Prochainement, si tu as bon deal là, tu me fais signe. Sur ce, au revoir. Aïe! Un biga ou un yara, même si c'est un zili. Tu même si c'est un bine et une cousine. Et il est même si c'est un biga. Je suis là. Nafika. Madame Yassira. Ah, on doit Yassira. Yassira, le munafik a l'air de me dire, oh, on a tout le même bang à la mettre, le munafik a l'air de me dire, il y a un Yassira, le munafik. La soukara, on doit Yassira. Yassira, le bolla, plus katawaka. Je tourne Zindi. Il y a des gens qui me choquent. Ah, tu as plus de choses. Hein? Biga, Tu as dit que tu as dit que ma copine. Oui. Tu vas bien là? Merci quoi? Ça va. Hé, hey, Prisca! Prisca! Ah, avec cette chaleur là, la galère et tout, toi tu vois, tu as percé. Je t'ai dit que j'étais chez Frankie. Et puis, devine quoi? Il a promis de m'amener à Ouaga 2000. Oui, oui, nous irons vivre là-bas. Oh, ça sera chic. Attends, stop. Ah, voilà. Encore toi, les petits diables? Ici. Et puis pourquoi tu cries mon nom? Que ce soit la dernière fois que tu vas crier mon nom, tu la vois comme ça. Tu as compris, non? Tu es malade. Ce faux type là. Ce faux type qui ne peut même pas bien s'habiller là. Elle a fini de parler. Non, pas comme il parle. Je te demande, tu as fini de parler.
Parce que si tu veux aller dans ce sens-là, c'est préférable pour toi de continuer ton chemin. C'est comme ça. Non, c'est votre problème. Non, non. Ça oui, me concerne même c'est pas. C'est notre amour, c'est notre problème. C'est plus fort que moi. Ah! Et puis tu crois à ces futilités-là. Ça, l'amour-là. Amour, il y a rien. Pardon, faut partir. Ma copine, pardon, je peux même te provoquer. D'accord. Mais ta façon de parler là, je te parle de Frankie, tu es là, tu sautes sur moi comme ça, comme si c'est pas un garçon. Ne te fâche pas. Je suis pas fâchée. Juste que ta manière de parler là, ça m'énerve. Comme dirait, c'est pas un garçon. Hein? Non, ouais, ma copine, je te laisse. Jamie, il faut changer, sinon là, on va pas. Non, pardon, bye bye. Bye bye. Tu dors là. Rends bien, bye bye. Merci, au revoir. Jamie. Et puis, tu iras dire à ton sale boss, hein, à partir de maintenant, dès l'instant, qu'il cadet n'a plus de paix. Et puis, la maison, qu'il arrête de payer, je m'en charge moi-même. Des salopards comme ça, là. Imbécile. Et voilà. Tu sais, l'esprit Ska, actuellement là, c'est Jamie qui a la page. Ah oui, mon oh, bon. Ouais. J'espère que vous avez géré ça même. J'ai validé. Ah oui. Non, j'ai confiance. Tu te rappelles que Jamie m'avait demandé une scooter là? Mmh, oui, oh, oui, voilà. Oui, oui. Mmh. Je vais te mettre sur, sur ça. Mmh. Tiens. Ok. Là, il y a 1 million. Eh, oui, oui, 1 million. Pour la scooter. Il y a 1 million dedans? Oui. Il n'y a pas de problème. Là, il y a 5 millions. 5 millions? Eh oui, 5 millions. Uh-huh. À déposer en banque uh-huh. pour ma madame. Non, il n'y a pas de problème. Je dépose ça même tout de suite, en partant même. Je te rappelle aussi que cette enveloppe est plus importante que la première. Il n'y a pas de problème. Je vais gérer ça. Avant que vous ne rentrez même là, j'aurai déposé ça en banque. Je vais vous confirmer ça. Tu as intérêt? Sap, sap. Oui, allô? Ah, le fournisseur. Ah, comment tu vas? Oui, ça va, oui. Ah, ok. Hein? C'est déjà arrivé. Ok. Il n'y a pas de problème. Je vais vous revenir. Ok, merci, bonne suite. Pourtant, j'ai déjà donné tout mon argent à mon mari de déposer en banque. Est-ce que je pourrais débloquer ça tout de suite? Ma copine. Ah, ton faux type de gars, il a grillé jusqu'à il a tiré l'eau ici. Une fois, il a fait quelque chose de bon. Là, je l'ai laissé avoir la demi, maintenant je vais voir la famille, je ne peux pas. C'est que moi, je te dis, là. Le gars, là, il n'a rien. C'est vrai, il t'a envoyé vivre à Wara 2000. Mais je suis sûre que d'ici là, là, tu seras à la rue. La honte va te tuer. Pourquoi ne pas accepter le bailleur en même temps? Il te fait des yeux doux. Et si tu sors avec lui, la maison sera pour toi. Tu auras l'argent. Tu aurais tout ce que tu veux, tu comprends, non? Lui, là, il n'a pas venir. Ton gars, là, il n'a rien. Il n'a rien. Il ne peut pas assurer ton avenir. Non, t'as pour une fois. Tu as raison, Coco. Ma tu as raison. C'est ce que je vais faire. En fait, tu raisonnes. Mon argent. Ton argent, il est là. Il est où? Au fait, c'est mon petit qui a déconné. Je n'ai pas envoyé ton petit. Tu as raison. Mais parlant de mon petit, peu importe là où il est actuellement, je te promets que je vais le retrouver. Tu as trahi ma confiance. Chérie, s'il te plaît, calme-toi. S'il te plaît. Tu crois que je ne suis pas au courant de ton affaire de Prisca et de Cadet? Prisca, c'était une erreur. L'erreur ici, c'est toi. En plus, c'est toi que j'aime. Dégage. Sors de ma maison et ne reviens plus jamais ici. Chérie. C'est toi que j'aime, s'il te plaît. Dégage! Mmh.
Non, c'est pas j'aime. Ne fais pas ça, pardon. Ferme la porte! Sors de chez moi! Voleur! Mais j'ai peut-être une solution. Vous voyez, vous êtes musclé. Il y a des femmes très vieilles qui sont là, qui n'ont pas de mari. Vous voyez ces femmes-là, elles ont l'argent. Elles ont besoin de gars forts comme vous, vous voyez, pour bien les gérer. Donc, je me dis qu'avec avec elles, vous pouvez avoir de l'argent et gérer en même temps plus qu'à quoi. Vous voyez? Sinon, elle risque de vous glisser entre les mains. Je crois que pour les voir, c'est trop facile. Vous voyez les terrains de sport, les différents maquis. Voilà, elles n'y manquent pas. Dis-moi, ce ne serait pas un péché de sortir avec des femmes plus âgées? Ouais, vous savez que moi, je faisais ça. Je fais ça. Mais si j'ai dû laisser, c'est parce que moi, ma petite, là, elle est trop collante. On a failli rompre même. Mais vous, vous avez vraiment besoin de ça. Tout compte fait, je vais essayer. On va espérer aussi que ça marche. Ça ne peut pas ne pas marcher. Heureusement qu'il me reste 500 000 encore. Je saurai quoi faire avec. Ça coûte combien? C'est dans les 1 million et quelques là. Mais toi aussi, c'est pour ça que tu me fais souffrir. Tu as combien d'entreprises? C'est lorsque je vais voir ma scooter là que je vais te croire sur parole. T'inquiète même pas. Okay. D'accord. C'est qui, hein? Et demain, tu as le temps? Je suis là. On se retrouve à l'agence. Tu me verras là-bas à la première. T'inquiète même pas. Oh. J'arrive. Tiens, tu mets le carburant et puis on se retrouve là où il faut. Ah, mais je te rappelle, hein, c'est pas ça qui peut me flatter. De toute façon, ce n'est que pour l'essence. C'est juste un rappel. Ah, demain. Oh, tu sens bon. Pourquoi tu es habillée comme ça? Ma copine. Allô, bébé? Ouais, je suis devant la porte. Ok, je t'attends. Mon bébé.
Bonjour, mon chien. Bébé. Comment tu vas? Tu sens bon, là? Ouais, c'est bon. On peut aller? Oui. OK. Bébé. Tu le connais? C'est l'imbécile dont je t'avais parlé. Mais qu'est-ce qu'il fout ici? Allez, on y va. Je ne vais pas me rabaisser devant la route, tu as la chance. Sinon, toi, là, il y a longtemps, j'avais fini avec toi. N'importe quoi. Train? Matamou? Oui, bébé. Bébé, ça va? Tu es à l'aise? Bien sûr. Tu sais que tu m'as trop manqué? Toi aussi, tu m'as manqué, bébé. J'étais tellement pressé d'être avec toi. Je comptais même plus les heures. C'est vrai, ça. Tu occupes tellement mes pensées, bébé. Comment tu brilles? Bébé, dis-moi. Le monsieur qui est venu à la maison, là, il t'a assez de toi, hein? Le père de ton enfant, là. Ah. Il me dérange. Je ne sais pas ce qui me vient. Mais je pense que vous êtes tout dit. Si. Mais il pense que je suis sa propriété. Il est toujours là, collé, calé. Je ne sais pas quoi faire de lui. Mais tu l'as pas dit que moi, je dis je vais m'occuper de Kader et puis de vous deux? Bien sûr. Mais qu'est-ce qui fait qu'il vient encore t'harceler comme ça? Il dit que c'est son enfant. Il a le droit de le voir. Mais toi, tu l'as dit, tu ne le veux plus, non? Si. OK. Mais tu sais, bébé, moi, je t'aime trop. Moi, je t'aime tout le monde. Moi, je vais faire de toi ma reine. La reine de mon musée, tu vois. C'est vrai, ça. Bien sûr, bébé. C'est toi, Adora. Lui n'a pas su bien te gérer, mais moi, je veux prendre soin de toi. Je vais tout le temps là. Merci, bébé. Mais il va falloir que tu essaies de voir. Je ne sais pas quoi faire de lui. Pas de soucis, t'inquiète. On va s'aider, hein? La main dans la main, et puis on va aboutir à quelque chose. D'accord? Petit, il y a une cliente, va voir. Ne restez pas debout, venez vous asseoir. Attendez. C'est bon, asseyez-vous. Merci. Je vous en prie. Patron. Le problème d'essence. Jamy, donc c'était vrai? Tout ce que les gens racontent, c'était vrai? Sinon, le petit disait que c'était un problème de carburant. Voilà, je lui ai demandé de mettre 1 litre pour vous. Oh, merci, c'était pas nécessaire. Vous êtes très gentil, merci beaucoup. Merci pour vos compliments. Néanmoins, je veux votre contact. Là, le soir à la descente, je vous appelle pour un petit rafraîchissement. Vous voulez moi mon contact? Oui. À cause de votre petite boutique de mécanique et puis votre essence de 1 litre, là, vous voulez moi mon contact? Vous m'avez bien regardé. Regardez-moi très bien. Est-ce que je suis de votre catégorie? Tu osais me faire ça, moi? Je t'ai fait confiance, c'est ce que tu me fais. Tu as cherché de l'amour pour un vulgaire scooter. Non, tu peux pas me dire. Cet homme, tu sais que je t'aime. Hey, c'est ce que tu me fais.
hein? Non, je te demande pardon, mais comme tu sais que je t'aime. Non, c'est bon. Anto et moi, dorénavant, c'est fini. Non, j'ai pas le temps pour ces bêtises-là. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre ton scooter, tu vas aller retrouver ton vieux père et puis vous allez vous enjailler ensemble. Patron, c'est fini. C'est ton problème. Je vais là-bas. Tu sais que je t'aime beaucoup. Toi et moi, c'est fini. Moi, chérie. Au revoir. Mon cœur, tu peux pas me faire ça. Va au diable. Non, il peut pas me faire ça. Il peut pas me faire ça. Hey boss. Oui. Ouais, c'est comment? Ça va chez toi? Ouais, ça va bien. Mm-hmm. Ça fait deux jours. Oui, effectivement. Tu as disparu, hein? Je suis là. Je suis arrivé ce matin. Je suis passé au grain, mais on dirait que y a personne. J'ai même fait un peu le tour du quartier, mais c'est comme genre si c'est tout le quartier même, c'est vide quoi. Effectivement, tu as raison. Mmh. Puisque ce matin il y a eu un baptême derrière là-haut, donc tous les enfants là sont partis là-bas. Il est vraiment, il va changer. En tout cas. Ah mais c'est pas ça. Mmh. Moi j'avais appris que non, tu as eu bon l'argent comme ça. Mais j'étais plus revu. Les nouvelles Ouara. Vraiment, hein? Oui, effectivement, j'avais eu de l'argent. Mmh. Ouais. Je voulais mettre à l'aise ma petite amie. Je l'ai même envoyée vivre à Ouara 2000. Mmh. Ouais, dans un joli appartement. Ah ouais. Mmh. Je t'aime beaucoup, tu sais. Je t'aime aussi. Si tu avais écouté ton ami de gamine. Oh, laisse-la. Mmh. C'est même pas ce qu'elle veut. C'est pas ce qu'on appelle l'amour. Donc, faut la laisser. Laisse-la à sa place. Je t'aime beaucoup. Mmh. Tu peux me tuer, tu sais ça. Hein? Non, quand tu me dis comme ça, là, hein? Moi, je moyen tout te donner. Bon, tu vois? Ça, c'est pour changer ta garde-robe. Hein? Okay. Ça, c'est pour changer ta garde-robe. Okay. Et ça, hein? Bon, je sais pas, mais tu sauras quoi faire avec. Hein? Et n'oublie pas de t'acheter maintenant des boucles d'oreilles. Oh, bébé. Hein? C'est trop. Je t'aime beaucoup. Oh, c'est mon amour, mon cher. Ah ouais. Mm-hmm. Tu peux me tuer, je te promets. Mm-hmm. Toi aussi, tu sais, bébé. Je ferai tout. Quasiment tout pour toi. Moi, j'ai très chaud. Mm-hmm. Et puis, j'ai très soif aussi. Ah, mais il fallait dire ça auparavant. Hein? À le climatiser. T'as. Ok, tu veux boire quoi? Bon, ce que je gagne seulement. Aïe, aïe, aïe. Bébé? Oui? On va se régaler avec ça. Et ensuite, on va passer à l'essentiel. Hein? L'essentiel? Mm-hmm. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais que tu m'as trop manqué. Hein? Ok, donc... À nous deux, alors. Il n'y a pas de problème, ça marche. Mais figure-toi que quand l'argent a commencé à diminuer, c'est-à-dire je n'arrivais plus à payer la maison, cette dernière m'a trahi. Mm-hmm. Comment ça? Et en plus, c'est avec le bailleur même. Tu vois? C'est ce que moi j'ai tout le temps dit. Vous voyez les filles là? Il n'y a même pas une qui est différente. Hein. Il n'y a pas. Même chose. Même chose. Si l'argent diminue, elle diminue. Elle diminue.
Tu vois? C'est comme ça. Pourtant, c'est pas bon, quoi. Mon bébé, allez, viens. D'ailleurs, je t'envoie des biscuits, viens. Mais tu as quel problème? J'envoie des biscuits pour mon bébé, qu'est-ce qu'il y a? Je n'en veux pas. Bébé, tiens. Pardon. Je te rappelle que c'est mon fils. On s'en fout de okay? ça. Ok? C'est mon fils. Irresponsable. C'est pas grave, un peu de camembert. Hein. T'as quel problème avec toi? Je vois mon mais... fils. Il n'y a plus de droit sur mon fils. Je vois mon fils. Tu n'as pas d'enfant ici. Sors. J'ai plus de droit sur mon enfant. Je te rappelle que c'est mon sang. Allez, bébé, viens. Bébé. Je vois mon fils, ok. Courageuse. Hein? Tu as pas de quoi? Je vais me frayer. Où est-ce quoi le projet? Hey, y'a quoi? Tu cherches quoi ici? Mon frère, tu tombes bien, je suis venu voir mon fils. Tu as dit quoi? Il dit, tu tombes bien, je suis venu voir mon fils. Lui là, c'est ton fils. C'est mon sang. Tu n'as même pas honte de dire que c'est mon sang, c'est mon fils. Regarde, je vais te dire une chose. Hein. À partir d'aujourd'hui, là, ne mets plus tes pieds ici. Faut le dire, je suis venu voir mon fils. C'est ça que je t'ai dit, là. À partir d'aujourd'hui, ne mets plus. Quel fils? C'est mon sang, arrête-toi, tu es sérieux, là. Toi, tu as sang ici. Mais bien sûr, c'est mon fils. Papa, on conseil là, tu n'as même pas honte. Hé, dehors. Je vois mon fils. Attends, tu penses que c'est le père de toi, mais dehors! C'est juste toi me dis ça, je n'en crois pas. Oreilles. C'est quoi ça? Tu as oublié hier? Hein? Dehors! Moi, je veux voir mon fils. Sors dehors, y'a quoi? Je veux juste voir mon fils seulement. Y'a quoi? N'a même pas honte. On se reverra. On va quand c'est reverra. Ton cul, ouais. Enfoiré là. Donne-nous le pain d'aujourd'hui. Oh mon Dieu. Donne-nous le pain d'aujourd'hui. Pas déranger l'homme. L'homme n'a même pas encore pu même de se libérer, même tu viens, tu me diras. Ok, si y a quelque chose qui me pèse, c'est que tu les restes tranquille. J'avoue que tu as des jeux de rein terribles. Non, malade même. Ah, non, beau. Toi, tu es vrai beau. Alors, si tu vas me prendre même compléter à ma soeur. Grand frère. Ah, mais... Tu veux rivaliser avec moi? Non, mais c'est vrai beau. Non, d'abord, tout là, il n'y a pas beau comme toi. Vraiment, il veut me plaigner à te. Royaume-là. À Bahama. Mbafou. À Kabafou. Kabafou, Mbassa. Aïe, non, t'as calé la maman là. Mbien, il faut jouer à la conjonction. Pour être niqué, oui, ma foi, en Zanga, tu as approché de la foule. Tu as non, je suis un ou un bonbon, je suis tout. Pour ça, tu es un peu de la foule. 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 Di kanela ma ta pour beli ban kika am taru namba mbase tan da fu moto
Tu m'as dit que tu es là. 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 Tu m'as dit Africa, wa. Oh, Africa, wa. Oh, Africa, doma. Écoute, on va partager ça. Ok, ça va. Ah oui. Ça fait un bail. Oui, effectivement. Qu'est-ce que tu deviens? Bon. J'ai fait gestion et marketing. Ok. Bah donc c'est la galère. Comme tu connais les universités à Oradour. Donc j'ai dû abandonner pour rentrer dans les think tanks pour gagner ma vie. Quoi. C'est le regard. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Bah écoute, en Europe, j'ai dû faire génie minier. Mm-hmm. Et après les diplômes, j'ai décidé d'investir et d'ouvrir une boîte. Là, je suis rentré au pays pour pouvoir sous-traiter avec des entreprises minières, oui. Leur proposer la maintenance de leurs gros engins et aussi la fourniture de gros engins, parce que j'ai quand même des partenaires en Europe. Ah, mais ça tombe bien. Ouais. Mmh. Attends quoi, tu as fait génie minier aussi? Non, pas ça. Juste que je connais quelqu'un qui peut faire la maintenance de tes engins. Sérieux? Oui. Et de plus, je connais plusieurs personnes de ce pays, des grands boss quoi, en quelque sorte. Ah, voilà. Ouais. Qui par exemple? Tu connais Capé Minier? Voilà. Quoi, c'est rien, tu le connais? Bah oui, c'est... je le connais très bien, puisque j'ai dragué une petite pour lui il n'y a pas trop longtemps. Non, sérieusement, je suis en train de discuter un contrat avec le mec. Non, je te parle de quelque chose. Tu connais la petite Cynthia, non? Oui. Voilà, j'ai géré ça pour lui. Non, t'es pas sérieux. Non, t'as pas fait ça. Oui. Je suis passé sur la petite et toi tu la refiles à quelqu'un d'autre. Non, mais tu n'étais plus au pays. Mais ça fait plaisir quand même. Oui, ouais. Et on peut travailler ensemble. Oui, moi ça me ferait vraiment plaisir. Mais c'est super. Ouais. C'est super, je pense qu'on peut travailler ensemble. Mais dis-moi, concernant le gars dont je te disais il peut faire la maintenance de tes engins, tu dis quoi? C'est simple, tu organises un rendez-vous avec lui et on se rencontre. Et si c'est ok, on travaille ensemble. Ok, ça marche. Bon. Moi, je vais te fausser compagnie. Non, mais voilà. Attends, tu penses que je vais finir cette bouteille sur lui? Bah, vide ton verre d'eau là et... Non, c'est... Tant que, t'as pas d'excuse. Ok, y a pas de problème. Ah, tu es là. Assieds-toi. Non, je suis pas venue pour m'asseoir. Et pourquoi? Je suis venue pour te dire que notre relation était finie comme ça. Comment ça? Ah, tu es là? Non, moi je suis plus dans les relations sans avenir. Non. Oh, toi aussi! Bonjour, quoi. Mais je te dis, qu'est-ce qui te manque? L'amour. Hein? Actuellement, oh. J'ai perdu l'amour de ma vie. Mais je suis là, je suis l'amour, moi. Hein? Quand même. Entre toi et moi, il n'y a pas d'amour. C'est affaire de contrat. D'ailleurs, je suis venue te remettre ta moto. Tu peux prendre. Ah. Tu es là. Comme ça seulement. C'est pas comme ça seulement. Tu sais ce que l'amour représente. Et j'ai perdu l'homme de ma vie. Celui que j'aime le plus au monde. Donc ça veut dire que tu ne ressens rien pour moi quoi. C'est ça? Ou bien c'est parce que tu n'as pas encore eu l'emploi là? Hein? Emploi ou pas, je n'ai plus besoin de toi. Hein? Je te veux plus. Je t'ai remis ta moto. C'est fini en cours. Sur ce, bonne soirée. Aïe. Hein? Toi ici. Ah! C'est pas arrivé là-bas. C'est pas arrivé là-bas. Comment c'est pas arrivé là-bas? C'est une affaire.
Là, là moi j'ai envoyé un gros coup pour vous. Je t'ai dit les histoires de filles, je suis plus dedans. Non, ça c'est pas une histoire de filles. Ça c'est quelque chose qui va vous donner de l'argent. Non, ça c'est très sûr. Sûr et certain. Lève-toi. Okay. Oui, allô, Aline. Oui, ça va. Ok. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Oui, oui, ta moto, je l'ai. Oui, tu passes au même endroit. C'est ça. Oh, bisous, bisous. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est ça la vérité. Hey, Jarvis, faut m'envoyer une bière. En effet, il y a mon cousin qui est revenu des. De l'extérieur là. Bon arrivé à lui, et puis je n'ai qu'à faire quoi avec ça. Et il a besoin d'un bon mécanicien pour la maintenance de ses engins. Et puis voilà. Et c'est pourquoi j'ai pensé à vous, comme vous êtes bon dans la mécanique. Je viens de quitter chez lui-même comme ça. C'est pourquoi je suis là. Il m'a dit de vous amener. Je suis pas dans le coup foireux. Non, ça c'est pas un coup foireux, c'est quelque chose qui est net net. Quand vous allez arriver, vous allez constater. Attends, je m'habille et puis on y va. Je vais casser mon cou. Voilà, et concernant l'affaire là, si on arrive là, vous voyez ce que vous venez de faire là. Non? Si vous arrivez, vous faites balle à terre, vous n'êtes plus boss. Voilà. Donc si vous arrivez là-bas, c'est lui le boss maintenant. Vous l'écoutez. Et on essaie de discuter, puisque c'est quelque chose qui... Tu vois, mon petit, avant d'être à ce niveau-là, je te rappelle que j'étais boss. Tu n'as rien à m'apprendre, là. Oui. Ou bien oui. Ah, quelles sont ces manières? Bon, vas-y, passe devant. Oui, Je m'attendais pas à te voir tout de suite. Oui, effectivement. Avec ce grand deal que tu m'as proposé, c'était normal que je revienne si tôt. Comme une paquet, tu donnes ça à quelqu'un d'autre. C'est ton pote, celui dont tu m'as parlé? Oui, c'est lui comme ça. Bonjour, monsieur. Bonjour. Germain. Billy. Enchanté. Enchanté également. Franck m'a dit que tu fais dans la réparation des gros engins. Tout à fait. Actuellement, tu bosses dans une boîte. Actuellement, dans une boîte d'une entreprise, non. J'ai pas eu cette chance-là pour le moment, mais j'ai pu mettre en place un petit garage dans lequel j'exerce actuellement. Et quel type d'engin est-ce que tu prépares en ce moment? Des engins de... T'es sérieux là, Franck? Non, mais il ferait l'affaire. Sérieusement? Non, j'ai confiance à lui. Confiance à lui, puisque... Non, attends, Franck, prends mon travail au sérieux, s'il te plaît. J'ai confiance à lui et je l'ai déjà vu à l'œuvre, donc je suis sûr qu'il ferait l'affaire. Écoute, Franck, je bosse avec de grosses entreprises minières et toi, tu viens me proposer un réparateur de bicyclettes et de motocyclettes. Attends, prends mon sérieux. Je suis au Globe Metal et c'est... Que ça ne vous dérange pas. Ok, j'ai ma petite idée. J'ai une vieille machine qui peine à démarrer depuis des années. Si tu arrives à la remettre en route, on pourra travailler ensemble. Ça marche. Et gare à toi.
Dehors. Calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi, je vais te parler. Je suis là pour toi. Calme-toi, c'est toi. S'il te plaît, c'est toi. Chérie, assieds-toi, s'il te plaît. Je suis là pour toi. Assieds-toi. Je sais bien que tu n'attendais pas ma visite. Tu sais, je te dois beaucoup. Après m'avoir mis à la porte, j'ai pu réaliser que tu es une femme magnifique. Tu profitais de moi. Oui, tu as raison. Je sais que je profitais de toi. J'étais un lâche, un faux type. Dehors! Calme-toi, chérie. J'ai dit dehors! Écoute-moi, s'il te plaît. Après mon départ, j'ai pu avoir un boulot stable. Et cela m'a permis de comprendre pas mal de choses. Actuellement, il me manque juste une chose. Toi. Oui, toi chérie. Tu me manques. J'ai envie de me stabiliser. Et pour cela, j'ai besoin de toi. S'il te plaît, j'aimerais juste que tu trouves une toute petite place. Je dis bien une toute petite place. Dans ton cœur afin de me pardonner. Juste un oui afin qu'on reparte sur de nouvelles bases. Je m'occuperai de la maison, je prendrai soin de toi. S'il te plaît, crois-moi. Regarde. Le même cœur bat toujours pour toi. Et il te réclame. J'ai besoin de toi, juste un oui. Chérie, s'il te plaît. Tu m'as trop fait souffrir. Je sais, je sais. Papa, je vais me rattraper. Je ferai mes preuves. Crois-moi. Juste un oui, s'il te plaît. Pourquoi je n'arrive pas de t'aimer? Oui, André. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai pourtant dit que c'est fini entre nous. Nous, c'est fini, s'il te plaît. Va-t'en. Va-t'en. Je ne veux plus te voir. C'est pas la peine d'insister. Je ne veux pas te voir, s'il te plaît. Je suis venue pour m'excuser. Tant que tu sais que ça peut pas finir. Non, arrête. Arrête. Tu sais que je t'aime beaucoup et je sais que tu m'aimes aussi. Tant que tu sais que notre histoire ne peut pas s'arrêter à là. En plus, j'ai décidé de changer par amour pour toi. Tu t'entends? Oui, par amour. J'ai élevé même la moto et tout. J'ai tout arrêté pour toi. Si c'est pas de l'amour, c'est quoi alors, chérie? Non, tu peux pas me laisser. Tu sais que je t'aime beaucoup. Bien. Regarde-moi. Non, tu peux pas me laisser. Je veux que tu me parles. Ça sera difficile. Mais pas impossible. Tu sais bien que tout est possible, chérie. Je m'excuse vraiment.
C'est quoi ça? Mais j'avais un coup d'œil. C'est écrit noir sur blanc pourtant. Viens dans mes bras. Oh là là.